on n'a plus d'autre chance. Nous allons retenter l'aventure Minecraft Hardcore. Les prises de risques inutiles, c'est terminé. Les amis, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons retenter l'aventure Minecraft Hardcore. Cette fois-ci, je sais les erreurs à ne pas faire. Les creepers, je vais les fumer ma gueule. Je n'ai peur de rien. On va pas tenir 3 heures, on va tenir des semaines et des semaines. Là, je veux vraiment qu'on ait un nom iconique. Il faut un nom de serveur iconique. Le serveur, on l'appelle iconique. Bah, qui dit mieux ? Crée un nouveau monde. Oh là là, ça y est, c'est parti. Nous sommes le matin, on est sur une petite île, un peu petite. Les amis, nous sommes sur le serveur iconique. Oh là là, mec, déjà je commence à aller dans un endroit un petit peu obscur. Juste ça, j'aime pas. Non mais les gars, j'ai été trop traumatisé, wesh. Des moutons, mais oui, mais... Oh, c'est mon jour de chance. Eh, mais on arrive dans des marécages là. Ok, bah déjà j'ai mon lit, alors ça c'est incroyable. Let's go my boy. Eh bah c'est parti, attendez, comment on fait un bouclier déjà? Ok, j'ai un bouclier ma gueule. Là je me sens en sécurité. Et du coup ce qu'on va faire les gars, c'est qu'au lieu d'avoir les torches dans une main et la pioche dans l'autre, on va avoir le bouclier dans une main, on va planter des torches et la pioche dans l'autre. Voilà, comme ça là, s'il y a un creeper qui arrive, hop, je me fais pas surprendre. Là les gars, nous sommes pas mal du tout. Ah, du fer, enfin. Mec, je suis dans la pire grotte de France là. Putain, regardez-moi ça, j'ai fait un vrai couloir. Et dans tout ça, j'ai eu 4 de fer. Non mais c'est honteux. Ok, obsidienne. Allez hop, ça c'est fait ma petite gueule. Oh putain, j'étais en train de me noyer. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'étais en train de me noyer carrément. Tellement l'obsidienne, elle voulait pas se prendre. Les amis, nous avons assez d'obsidienne. Eh ben venez, je pense qu'il est l'heure de remonter. Attention, on va faire bêler. Mec, je suis dans la forêt la plus paisible. Mais gros, en plus, mais... Putain, en plus j'avais mon bouclier en main. Mais comme je dormais, eh ben j'ai paniqué. En plus, il a explosé. Il me restait un demi-cœur. Je me suis dit, oh la chatte. Et là, je m'écrase. Oh, il est trop bien mon spawn. Mais attendez, mais j'ai envie de m'installer ici. C'est bon, j'ai même pas envie de chercher où est-ce que je m'installe. Mec, je m'installe là, point final. Mais là les gars, je vous le dis, je vais même pas perdre de temps. Vous inquiétez pas, je vais tryhard sa grand-mère. Par contre là, j'aime bien cette grotte. Tu vois, cette grotte, il y a beaucoup plus de minerais comparé à tout à l'heure. Là il me faut 3 diamants les gars. On va miner l'obsidienne et on remonte. Oh oui monsieur. Oh là là, ça j'aime bien. Là on a plus qu'à miner l'obsidienne et on est revenu à la case départ. Oh, vous voyez dehors là? Oh, il fait nuit dehors. Regardez, regardez, je vais pas prendre de risque. J'ai bien retenu la leçon. Il fait nuit dehors, mais pas de soucis. Mais pas de soucis, je vais me refaire un lit et je vais dormir ici frérot. Voilà, y a pas de problème. Les prises de risque inutiles, c'est terminé. Ah, de l'obsidienne, magnifique. Tu vois ça? Ça j'aime pas, j'aime pas du tout. Non mais allô quoi. Tu les as vus ces gros pieds là, ces gros panards de merde. Michoucrou, t'as réalisé le progrès Ice Bucket Challenge. Let's go. Wouh, youpi, il fait beau. Waouh, du grand soleil. Il y a pas de monstre, c'est magnifique. Je propose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les gars, nous avons notre stuff en fer. Maintenant l'objectif. En fait là moi j'ai envie de charbonner le stuff pour être sûr de ne plus mourir bêtement. L'objectif c'est d'avoir une table d'enchant. Ma maison, en vrai je peux la faire n'importe où hein. Youpi. Pas de creeper, pas de creeper, pas de creeper. J'ai mon bouclier, j'ai mon bouclier, j'ai mon bouclier, j'ai mon bouclier. Ok c'est bon, c'est carré. Bah vous savez quoi, ici on peut limite commencer direct et faire un petit enclos. Oh magnifique gros, j'avais pile assez. Ok ok, la maison, les matériaux. On va pas se faire chier, je pense qu'on va prendre du bois hein. On va faire un mix bûche et bois. Non venez, je fais un champ aussi là. Parce que les gars, faut que je fasse pousser du blé pour nourrir les vaches. Vous savez ce que je vais faire? Ça là, je vais tout reboucher. Attends, tu sais quoi, je vais reboucher carrément comme as. Magnifique, let's go. Bah je pense que, regardez, là il va y avoir ma maison. Là-bas, ça sera les enclos. Je pense que le champ, on va le faire là en vrai hein. Je vais faire tac 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 tac. Mec, ce mouton, il est avec moi depuis le début. Depuis tout à l'heure que je fais mon champ, il y a ce mouton là. Et les gars, je crois vraiment que ce mouton, ça va être notre mascotte là. Le champ, on a presque fini. Tac, on met de l'eau. Mec, l'endroit où je m'installe, il est vraiment trop bien là. Hein? Elle est partie où mon eau? Tac, parfait. Les amis, il va être le temps de planter un petit peu de blé sur mon champ. Bon, mes plantations préférées, c'est les carottes. Parce que les carottes, ça donne grave de la vie et t'as pas besoin de les faire cuire. Oh, sa grand-mère. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Dégagez, wesh. Et le mouton, il revient. Eh ben, les gars, je pense qu'on peut commencer à attaquer la maison.
c'est le bois de Boulogne. Mais ouais, c'est le bois de Boulogne. Regardez, il y a que du boulot. J'habite à côté du bois de Boulogne. Let's go. J'espère que le mouton marron, il sera encore chez moi. Hein. Ok, les gars, je commence à avoir pas mal de bois. Je pense que ma maison, elle sera surélevée de 1. C'est-à-dire, genre là, il y aura un escalier pour monter. Et là, il y aura un escalier aussi. Là, il y aura des escaliers. Là, il y a la porte d'entrée. Et là, il y a mon sol. Tu vois ce que je veux dire? Là, la superficie de la maison, elle est déjà bien en vrai. Ici, à la limite, les gars, au pire, je fais une espèce de cour. Je mets un enclos avec un chien. Je prendrai un loup. Je l'appelle Yuki. Je mets un petit enclos. Tac, tac. Là, je vais pas vous mentir, les gars. Je ne sais pas où je vais. Ici, on peut peut-être faire une giga baie vitrée, hein. Mais j'ai pas envie parce que la vue, elle est pas belle, quoi. Donc ici, je sais pas encore ce que je vais faire. On va bien voir. Mec, il est encore là, le mouton. Mec, venez, on lui donne un nom, les gars. On va l'appeler Cacao. Vous êtes chaud, on l'appelle Cacao ou c'est claqué? Le bois, quoi qu'il en soit, j'en aurai toujours besoin toute ma vie. Donc, venez, on en prend masse. Attends, le blé, là, il est poussé, non? Mais mec, c'est trop long à pousser du blé, mais c'est abusé, en fait. Attendez les gars, on va commencer à meubler un petit peu l'intérieur de ma maison. Tac, j'en ai 3, c'est parfait. Tac, let's go. Ici, je vais mettre des vitres. Ça va être stylé, je pense. C'est parti, toit chapiteau. Mec, je suis amoureux des toits chapiteaux dans ce jeu. En vrai, ma maison, je pense qu'elle va, pour de vrai, elle va pas être incroyable, mais elle va être belle. Elle va vraiment juste ressembler à une maison de villageois, en fait. Attention, vue d'extérieur. Là, on va se rendre compte vraiment si elle va être moche ou pas. Ta-ta-da! J'ai l'impression que c'est moche. Mec, mon blé, il a dû pousser, là. Ah, mais si, ça, en fait, c'est le niveau max, je crois. Hein. Ah oui, c'est bon. Attendez, Cacao, il est où? Dis-moi que t'es là, Cacao. Cacao! Ça va ou quoi, ma gueule? J'ai cru que tu m'avais abandonné, Cacao. Tu sais que t'es beau, toi. Hein. Toi, t'es beau, t'auras un prénom. Ah, mais tu sais quoi? Pour l'instant, je vais le mettre dans l'enclos à vaches, mais je le mettrai avec Yuki dans mon jardin. Eh bah, les gars, go ramener les vaches. On se dépêche, les vaches, parce qu'il va bientôt faire nuit. Et je pense que vous êtes bien placés pour savoir que j'aime pas la nuit. Allez, on rentre tous. Il y a la place pour tout le monde, vous poussez pas, bordel de cul. Vous allez rester là, moi je vais dormir. Moi, j'en ai marre. Je ne veux plus prendre ce genre de risque. Mais, dégage. Je crois qu'ils sont un peu serrés, mais vas-y, c'est pas grave. Hein. Les gars, je vais aller tuer des animaux parce que là, je commence à être en manque de bouffe. Faut que j'aille chasser. Ça vaut quoi ma gueule? Désolé. Il y a des citrouilles! Hop là, et ouais ma gueule. Putain les gars, ça fait plaisir, je suis bien là pour l'instant. J'ai une question vous les gars, dans Minecraft vous, ce que vous préférez c'est les sessions farmage de stuff. Genre tu vas dans le nether, tu vas dans des grottes, tu vas miner les trucs comme ça. Ou c'est créer les maisons. Putain mais giga grotte en dessous de moi où je rêve. Oh fils de pute. Oh c'est bon, il m'a saoulé. Il est l'heure de rentrer. Attendez, je vais essayer de les changer ces escaliers là. Je vais les mettre en bois clair. Ça casse le fait que c'est trop en bois pareil de la même couleur. On va voir comment je vais meubler le sous-sol pareil. Je sais pas comment je vais le faire exactement. Voilà, je vais mettre une poutre. Ouais, ça fait bien. Si, ça fait un style en vrai. Tu connais, on monte dans le grenier. Y a pas de monstre. Les gars, le grenier, ça sera la salle des coffres. Et du coup, on va faire un sous-sol. On va pas faire un sous-sol de ouf, le sous-sol sera juste la chambre. Voilà, on va faire l'inverse. Parce que d'habitude, c'est la chambre, c'est à l'étage. Le grenier, enfin, les salles des coffres, c'est dans les sous-sols. Là, on va faire l'inverse. On dirait le bruit d'un villageois. Oh, attendez. Là, je vais faire mon gari. Je vais abuser un petit peu de mon bois. Au pire, on en est plus à ça après, les gars. Non, c'est pas moche en vrai. Ça rajoute du neuf. Mais attendez, mais il y a un villageois dehors. Ah, mais il y a lui. Il y a le marchand ambulant. Comment ça va, ma gueule? Ça va ou quoi? Wesh. Oh, ouais, abuser les prix. Ouais, non, mais t'abuses du bail, toi aussi. Ça va être votre jour. Allez, c'est parti. Faites-moi des enfants. Régalez-moi. Voilà. Ça baise à gogo. Ça baise, ça rebaise. Bon, le décor, en vrai, je fais toujours les mêmes intérieurs, moi. Bah, les gars, parfait. J'ai un tableau. Regardez, je veux faire ça. Voilà, magnifique. Décoration incroyable. Ici, il faudrait que je mette des hauts fourneaux, les gars. Les fenêtres. Ça va être bientôt bon. Je vais enfin me sentir en sécurité dans ma maison. Parce que pour l'instant, tu vois, les fenêtres, elles sont pas fermées. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui peut rentrer.
Je vais tout vider à l'arrache, on s'en fout les gars. Les gars, ça commence à ressembler à quelque chose, non? Bon, en vrai, ma maison, je la trouve pas exceptionnelle. Pour une fois, je pense que je me suis un peu foiré. En vrai, c'est pas mal non plus. Non, c'est pas mal. Même l'intérieur, il est cool. Et bah les gars, c'est parti. On part à l'aventure. On va essayer de chercher un village. C'est carré. Non, non, moi j'adopte pas. Oh, il y avait... Oh non, j'ai tué une daronne. Oh non, ça, ça se fait pas. Mais c'est vrai qu'il faut que je plante de la canne à sucre aussi. J'y ai pas pensé à celle-là. C'est vrai qu'il faut du papier pour... Putain, mais oui. Oh non, j'ai encore tué une daronne, mais gros, deux fois d'affilée. Bon, je suis le daron avec. Attends, mais je pensais pas que c'était si dur que ça de trouver des villages. Il y a un mouton rose. Bah attends, mais c'est improbable. Si là, il n'y a pas de village. Mec, je sais pas ce que je fais, mais je fais rien. Bah arrête. Ah! Let's go! Aïe, bah attends, mais j'ai jamais vu des maisons comme ça avec des cheminées dans les villages. Eh? Oh bah, en plus, c'est les maisons des hauts fourneaux. Magnifique. Ça va quoi, ma gueule? Attendez, mais ça, c'est, ça, ça donne masse blé. T'inquiète pas, j'aime viscère. J'ai toujours peur de piller le village à côté du golem. Là, pourquoi? Je me dis à tout moment, il se dit, eh, mais il pille le village là, il me fracasse la gueule. C'est quoi cette maison? Oh, mais tailleur de pierre, magnifique, c'est ce qu'il me faut. Oh là là, ici il y a plein de vaches, c'est magnifique. En vrai, faut que je tue un squelette, il me faut un os pour adopter Yuki. Et faut que je tue une araignée. J'attends la nuit pour les buter ou pas? Si je me mets en position de combat, je me fais pas surprendre. Donc normalement, je peux les fumer. Viens là, ma gueule. Oh là là, mec, c'est incroyable les boucliers. Ok, c'est bon, c'est pas mal. Oh, mais donne des os aussi. Mais ouais, mais fais un effort. Eh, la pute, elle est invisible. Aïe. Aïe. Ok, j'ai eu une ficelle. Par contre, là, il commence à avoir trop de creepers dans l'histoire. Non, non, j'aime pas ça, là. Non, mais faut arrêter les conneries. Voilà, viens mon BG. Mec, bouclier, c'est incroyable. Eh, il est intelligent. Comme il brûle, il se met à l'ombre. Hop, j'ai eu mon petit os. Magnifique, ficelle, c'est ce qu'il me fallait. Et bah let's go. Là normalement les gars, j'ai assez de ficelles. Je suis censé pouvoir faire le métier à tisser. Logiquement, métier à tisser, ça se crée comme ça. Ah bah ouais, bah je peux le créer. J'ai envie de vous dire, on est bien. On rentre à la case. J'ai mon os. Histoire de si on croise un loup, j'essaye de l'adopter. Et bah c'est parti, on rentre à la zombie les gars. Ok, alors du blé, putain du blé les gars, j'en ai à gogo. Oh là là, les vaches. Les vaches, vous allez vous régaler. Allez, on fait l'amour. Tiens, prends-en aussi toi mon gâté. Imaginez le mouton, il s'accouple avec une vache. Au fourneau, on le met là. Métier à tisser, on le met en haut. Tailleur de pierre. Moi, je le mets là, ça fait bien. Ma plantation de canne à sucre, je vais la faire ici. Hein. J'ai la chance d'avoir la mer à côté de chez moi. Elle est terminée, ma chambre. Faut juste la décore. Pour l'instant, j'ai la flemme. Hein. Ici, faut que je fasse un salon, non? Je peux faire un bail comme ça. Ok, imaginons qu'on fait ça. Ici, on met quoi? Un truc un peu comme as. Bon, pour l'instant, on va dire c'est de la déco. C'est de la déco provisoire. Quand je saurai quoi mettre, on mettra. Mais là, je sais pas quoi mettre. Non, c'est pas mal en vrai, ça. Eh, mais toi. Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, frérot? Mais lui, il est. Mais gros, tu t'es cru chez ta daronne. Mais attends, mais t'es un malade. Mais toi, t'es un malade, toi. Hein. Ok, attendez. Faut que je fasse fumoir. Let's go! Wouhou! Attendez, le fumoir, je vais le mettre là. Et le tailleur de pierre, je vais le mettre là. Alors attendez, j'ai de la roche lisse. Donc là, normalement, porte-armure. Ah, merci. Hop, j'ai mon petit porte-armure chez Wam. Mon intérieur, il est fini. Faut juste que je mette des tapis là. Et voilà. On va mettre de la laine de cacao dans ma maison. Oui! Tenez les poteaux. J'aurais préféré avoir... Attends, quoique, peut-être qu'en marron, ça va faire stylé. Si, ça fait bien le marron. Ma table, elle est faite en laine de cacao. On va passer à la table d'enchant, les gars. Là, on va passer aux choses sérieuses, les gars. Moi, je vous le dis. Faut combien de cannes à sucre? En vrai, attends, faut faire 3 papiers et 1 de cuir, je crois. Je fais comme as. Voilà. Ok, donc j'ai un livre. Donc là, les gars... Let's go! Table d'enchantement, mon ref! Let's go! Les gars, j'ai une idée pour la table d'enchant, mais ça va prendre du temps. J'aimerais bien faire une maison de sorcière en haut de la montagne. Genre quelque part là, là. Tout en haut, au sommet, je fais une maison, tu sais, c'est un arbre. Quand tu rentres dedans, ça fait un peu une maison de sorcière. Et dedans, évidemment, bah, il y a la table d'enchantement. Ça serait archi stylé de faire ça. Par contre, ça va prendre du temps, sa mère. On va faire ça, mais on va pas se prendre la tête, vous allez voir. En gros, la maison, faudra qu'on la décore, faudra qu'on utilise des matériaux spéciaux, enfin je sais pas ce qu'on va faire, mais là je vais juste faire la base, genre je vais faire le sol où il y aura la table d'enchant. L'arbre il prendra tout ça les gars, de là il va faire ça comme as, il va monter et en haut de l'arbre, mais pas tout, enfin il va pas être abusé méga haut, genre il va monter genre au niveau de la montagne là, là après il y aura des feuilles un peu, tu rentres et dedans il y a la table d'enchant.
La vie de ma mère, c'est une dinguerie. Ici, ça serait là, tu vois. Genre, la table d'enchant, en gros, elle serait posée là. Ouais, pour monter à l'arbre, ça sera pas un escalier. Mais pour l'instant, je vais mettre un escalier parce que j'ai pas d'autres moyens. Vous avez capté l'idée de l'arbre géant, du coup. Je vais mettre là. Et bah du coup on peut créer les bibliothèques hein. Je vais enchanter toute mon armure, je vais mettre des petits enchants tranquilles. Je pense ma pioche en diamant je vais l'enchanter aussi. Go tuer les vaches les amis. Je veux pas tuer cacao. C'est satisfaisant à mort de tous les tuer. Bah mec il me reste encore plein de bébés wesh. Mec j'ai 59 cuir. Vous voulez que on essaye de trouver Nuki le temps que la canne à sucre ça pousse. J'ai qu'un os les gars hein. Avec cette unique os je dois avoir Nuki. Mec faut de la chance hein. On essaye de trouver un loup. Oh des loups. Là on va examiner. J'ai le coup de cœur pour lequel. Regardez c'est très simple. Moi là j'ai un coup de cœur. C'est lui. Le fait qu'il soit là, il soit sous son petit arbre, j'ai le coup de cœur. Ça c'est Nuki. Nuki. Yuki, Yuki wesh, Yuki, veux-tu que je sois ton maître? Oui. Yuki, pour l'instant, tu vas rester chez Wam. Après, t'auras ton petit jardin, t'inquiète pas. Je voulais faire un truc aussi, le temps que la canne à sucre pousse, les amis. Vous voyez cette cascade-là? Là, ici, je vais fermer. Je vais faire la même de ce côté-là. Et tout, vous voyez tout ça, là? Ça sera de l'eau. Donc, je pense que ça va être un peu long. Et bah là, les gars, faut remplir tout ça d'eau. Attendez, mais je pense que ça va être trop long. Mais remplir tout ça d'eau, ça va être impossible, en fait, quasiment. Maintenant que j'ai Yuki, on va faire le petit jardin, non? Ouais, le jardin, il va être un petit peu plus grand. C'est mieux de pas faire un enclos fermé, je pense. Genre un enclos... Ouais, ça fait bien comme ça. Bah, carré. Ici, c'est le jardin Yuki. T'as capté. Venez, on farme la table d'enchant. Les cannes à sucre, ça dit quoi? Attends, mais ça pousse pas, wesh. Ok, les amis. Tac. Et voilà, monsieur. Deux bibliothèques, ma gueule. Il y a un squelette en or. Combat, combat. Eh, c'est incroyable, le bouclier. Oh là 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 là. Oh, j'ai eu des bottes. Protection 2. Incroyable. Je pense que l'aspect extérieur, on va le bosser plus tard. Là, on va bosser l'aspect intérieur. Là, imaginez les bûches. Ça vient, ça contourne. En fait, là, faut que je fasse un toit en bûche. À la base, la cabane de sorcière, il devait y avoir table d'enchant et alambic. Au pire, pour l'alambic, je fais un étage, non? Oh si, attendez. Oh là là, ça passe. Ça se ferme. Du coup, là, on a un endroit sombre. C'est ce qu'il faut. Ok, ok, ok. Bon, mon arbre, pour l'instant, je vous l'accorde. Il est pas ultra beau gosse. Déjà, il manque les feuilles. Il est pas terminé. Hein. On le voit ici. Il est pas terminé. Le tronc est pas fini. Venez, je mets les feuilles, là. En vrai, ça va être long, quand même, de mettre les feuilles, quand j'y pense. Bah, du coup, je pense que l'alambic, les gars, il sera pas sur cet arbre. Hein. Je vais pas vous mytho. Je pense que ça va être compliqué, hein. Voyons l'arbre vu d'en bas. On a bien avancé, la base est là. Ok, ouais, c'est... N'empêche, les feuilles, ça change déjà. Quand il sera terminé, les gars, de loin, avec toutes les feuilles partout autour, des lianes qui tombent, des trucs comme ça, ça sera une dinguerie. Prochain épisode, on enchantera notre stuff. Et là, je pense qu'on va commencer à être pas mal, wesh. Ça va être notre première vraie aventure hardcore. Là, c'est une vraie aventure. Là, je pense qu'une fois qu'on sera enchanté, etc., on pourra commencer à dire, là, on est dans du concret. Tac, 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 tac. Let's go. Tac, tac. Tac, tac. Oh là là. Juste une bibliothèque géante. Ça peut enchanter jusqu'au niveau combien? 22. Let's go. 22, wesh. Il est incroyable cet épisode quand on y pense. Regardez tout ce qu'on a fait en un épisode. Les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cet épisode sur l'aventure Minecraft en hardcore. Mauvais départ, mais au final, on est très bien. Prochain épisode, on fait quoi, les gars? On termine l'arbre. On s'enchante. On va miner. Une fois qu'on sera enchanté, on peut aller se permettre... Oui, Yuki, c'est fini, ça y est, c'est fini. On pourra aller se permettre d'aller un petit peu dans des grottes. Merci d'avoir suivi ce live, si vous avez kiffé, les gars. Un maximum de pouces bleus, un sabot, tout ça, tu connais les bails.